Et bienvenue sur la chaîne de The Negative pour un nouveau rendez-vous sur Genshin Impact. Nous allons invoquer Nilou. Ça date. Le temps que je la veux. Waouh! En tout cas, j'espère que vous avez aimé le trailer parce que je pense que. Moi, je sais pas au moment où je tourne la vidéo, mais normalement, je vais le mettre. Donc, pour vous, il y avait marqué le 17 juillet, donc faut attendre encore. Mais donc, c'est aujourd'hui que le trailer, je l'ai déjà fait avant. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez. Donc, nous allons invoquer Nilou. C'est un personnage qui m'intéresse énormément. Ça fait depuis la 3.1 que j'ai vraiment craqué dessus. Alors, vraiment, je me suis dit, faut que je l'ai. En 3.1, je l'ai skip. Au début, quand je l'ai vu sur le teaser de Sumeru en 3.0, elle me faisait ni chaud ni froid. Mais c'est en 3.1 que je me suis vraiment intéressé à elle, je l'aime bien. En 3.1, je l'ai skip parce qu'il y avait Naida derrière et Tarta. Et elle est revenue en 3.5, 3.6, pardon. Et je l'avais skip parce qu'il y avait Yai et Alaitam derrière, où vous pouvez retrouver les vidéos d'invocation dans la playlist, évidemment. Et donc, on va aller. Vous voyez que j'ai pas encore ouvert l'onglet des vœux, hein. Mais bon, voilà. Donc on ira aussi chercher son arme. Donc on va déjà mettre la clé de cache Nisuit. Voilà. Donc, j'ai 200 pierres de la fatalité. J'ai 6320 primos, ce qui correspond à peu près à 40 vœux. Et sur la bannière d'armes, j'ai 10 de pity. Je suis à 10 de pity. Bon, je peux pas vous montrer parce que je suis sur play, mais j'ai regardé avant de tourner. Je suis à 10. Mon Discord qui s'ouvre tout seul. Toujours aussi cancer, évidemment. Voilà. Donc... Pour ce qui est des 4 étoiles, alors, je n'en veux pas un en particulier parce que j'ai les 3, mais j'aimerais bien avoir un maximum de Kirara parce que je l'ai C6 et comme ça me ferait des astéries. Voilà, Ningguang, elle est C5, je crois, ouais, et KV, il est C0, voilà. Donc, on va y aller. Je ne vais pas passer les vœux jusqu'à arriver au premier 5 étoiles. Si je perds 50-50, après on va continuer, mais je passerai pas. Voilà. Enfin, je passerai. Donc, si je perds le 50-50, le mieux c'est Jin. Parce que Jin a les C3. Et si je les C4, je pourrais booster un peu plus mes personnages anémo. Voilà. Donc, j'ai mis Yao Yao. Pourquoi Yao Yao? Parce que je vais la jouer avec Nilou et aussi parce qu'elle a César T. Attendez. Voilà, donc je disais, elle a ses artés. Je vous montrerai après. Donc, on va y aller. On va faire un vœu, juste parce que j'ai envie d'arrondir à 200. Voilà. Ok. Parfait. Donc du coup, je suis à 1 de PC. Excellent. Bon, on va y aller. Ça fait depuis la 4.6 que j'ai pas invoqué. Donc ça fait depuis cette mise à jour là que j'économise pour Mademoiselle Nilou. Et hop, on va y aller. Ok, 4 étoiles. Donc on rappelle des Kirara. Bon, pourquoi pas avoir Ningguang comme ça, les C6 et puis on en parle plus. Alors aussi, j'ai pas encore pris les vœux. Ok, donc on m'a interrompu. Sapalog. Dédicace à toi, Sapalog, mais je t'inviterai pas dans mon monde. Kirara, parfait. Ouais, donc je disais, j'ai pas encore récupéré tous les vœux du reset d'Astrion. Parce que j'avais pas assez d'Astrion au moment où je les ai récupérés, donc il en reste 3 dans la boutique. Donc il y a des vœux de réserve et tout, donc on est bien. J'espère quand même early parce que j'en ai marre d'aller en pity. Après, je me plains pas parce qu'il y a quand même des mecs qui vont en hard pity et qui perdent leur 50-50, donc bon. L'épée horloge, évidemment, elle devait tomber. Allez, on continue. Nilou, je tiens à dire que c'est, vous l'avez vu dans le trailer, mais c'est mon troisième personnage préféré. Hein. Elle peut peut-être passer deuxième si j'ai de la chance. Si j'ai de la chance sur elle, elle passe deuxième. Ça veut dire que soit j'ai l'arme du premier coup, soit je gagne mon 50-50, ou soit je relis, ou je sais pas quoi. KV, d'accord. Les Arc de Favonius, d'accord. Arc de Favonius que j'ai en R x 1000, je sais pas, R 1000. Ok, donc KV qui passe C1, c'est parfait. Ouais, ou quoi que non, parce que je veux pas le jouer. Je sais pas à combien de vœux on est. Je crois qu'on passe à 40 de pitié là. 41 même, vu que j'ai fait un vœu. Encore KV. Mouvement vagabond, ok. Pour ceux qui se rappellent du mouvement vagabond en 3.2. Ouais. Allez, on continue.
50. Ouais, je pense qu'on part sur la soft, hein. Ça change pas d'habitude. Ok, Kirara, s'il te plaît. Ou Ningguang, comme ça, passe C6. Ok, Kirara, parfait. De toute façon, Ningguang, je la joue pas, donc que je laisse C6 ou pas, ça sera juste pour les astéries dans tous les cas. Ok, donc là 60. Ok, bon, on part sur la soft. On va arriver à 70, on part en single. Hein. Ok, mémoire de rituel, pourquoi pas. Je sais pas si j'ai R5, je crois pas. Ça sera pour Naïda. Ok, donc dernière multi, et après on part en single, donc on est bien sur la soft. Hein. Donc 71 là. Ok, j'espère avoir de la chance, vous savez très bien que moi j'ai la chance, ça fait 2. Ok, Ningguang passe 6. En plus, j'ai été à Inazuma, juste avant de tourner la vidéo, j'ai été à Inazuma, j'ai parlé à la dame qui dit si t'auras de la chance ou non. Parce que ben, je l'avais fait pour la vocation de Xiao. Et elle m'avait dit que j'avais eu de la chance, et j'ai eu de la chance. Là, j'ai été la voir et elle m'a rien dit. Donc ça annonce... Enfin, je sais pas comment je dois le prendre. Ça annonce une très belle session d'invocation, en tout cas, hein, évidemment. Donc on part en single, 72. 4 étoiles. Je vais peut-être passer, là, vu que... Xignan, ok. Bon, si je... Allez, si, c'est moi, Xignan, c'est vrai. Bon, si je peux avoir aussi des Candace, ça me ferait plaisir. Parce que Candace, j'avais espéré qu'elle soit là sur la bannière, mais elle y est pas. On va prendre ça aussi. Hein. Voilà. Sur la bannière perma aussi, hein. Je crois que je suis pas loin d'avoir un 5 star. Hein. Donc 73. On va passer. Hein. Si c'est du bleu, on passe. 74. Ok. 75. 76. Non. 77? Bah, what? Attends. 78? Bah, quoi? 79? Bah oui, bah, attends, elle va me faire hard pity, Nilou. 80? Bah, what? Attends. Ningguang? 81? Ah, 5 étoiles, allez. Là, on est chaud. Tignari. RIP, c'est pas grave, c'est pas grave. Signari, c'est pas le pire. Franchement, j'aurais pu avoir pire. J'espère early quand même. Après il reste l'arme, ça fait peur. Bon, normalement je devrais avoir ce que je veux, hein. Ça va, normalement, si j'ai bien compté. Ok. T'as un Tignari quoi. Ok, je crois que c'est bon. Ok, donc Nilou qui tombe. J'aurais peut-être pas du multi d'ailleurs. Kirara. Ningguang. Ça fait des astéries. Et enfin Nilou qui tombe. Parfait. Ça fait plaisir. Ouais, nickel. Ok, on va récupérer un peu d'astérie. Ok, bon, il me reste un peu plus de 100 vœux. Donc on part sur l'arme. Je vais passer pour l'arme, jusqu'à ce qu'on ait 5 étoiles. Alors le condamneur, pourquoi pas l'avoir. Oh, early. Parfait. Je suis à 30 depuis, tiens. Parce que j'avais déjà fait 10 vœux. Avec l'arme de Arlecchino, et puis j'avais fait un petit vœu pour essayer d'avoir l'arme de Chlorine. Mais bon. J'ai lâché. Chichel. Let's go. Parfait. Voilà. Et le clair de lune de Xiphos. Ah, je l'avais pas. Ok. Et bah parfait. On va terminer nos invokes sur la bannière perma. Ah, ça va, j'ai eu la chance quand même. Donc Nilou, tu passes deuxième. Bon, je pense pas avoir de 5 stars. Hein. 4 étoiles, Candace. Oh non, pas lui, le chien. Couché. Merde, attends, il me reste encore un vœu.
Donc les vœux que j'ai, je vais les garder au chaud pour les persos de Natlan. Oh, le petit Orlis à la bannière d'armes, il m'a fait plaisir. J'avoue, ça me fait plaisir. Donc du coup, il me reste combien de vœux pour Natlan? Ouais, il m'en reste 70. Je pourrais tenter une pity. Ah, Lilou, parfait. Donc, j'avais déjà tout farmé pour elle, donc on va la monter. Ah oui aussi, parce que voilà. Bon, vous savez, quand on met la faveur, on a des cristaux primaires. Allez, en vrai, il est beau le skin. Hop là. Voilà. Parfait. Et 6, ok, parfait. Enfin, par contre, ça coûte cher quand même. 27, 18 et 6. Donc 27. Attends, je l'ai loupé. Donc ça, bah voilà, je peux en faire 27 en plus. C'était calculé. Pas du tout. Ok, 27. Et ensuite, c'était quoi qu'il fallait? C'est ça, je crois. Ah oui. Ouais, bah il en faut 18, je crois. Thank you.
combien de PV? 70 000. Ouais, bon, ça va. Hein. Après, avec la résonance hydro, vu que je l'ai joué avec un autre hydro, elle aura plus. Donc, je vais remettre les artés de Yao Yao, et là, vous allez dire, attends, quoi? Et ouais, parce que je l'ai joué avec un set 4 étoiles, c'est pour que mes persos aient plus de maîtrise. C'est pas une erreur de ma part. Parce qu'en général, des fois, c'est joué. Hein. C'est joué de temps en temps, genre dans les Team Blue, mais notamment, c'est joué. Et en exubérance aussi, des fois, c'est joué. Pour que le DPS fasse plus de dégâts. Voilà. Donc, je la testerai dans... Je sais pas combien de temps. On va modifier la vitrine. Donc, du coup, Nilou passe deuxième. J'ai retiré les persos. Donc, Nilou, voilà, Furina, Ayaka, Yae, Yegelan, Xiao. Voilà. Parfait. Attends, on va changer la signature. On va mettre Youpi. Fais Youpi. Avec un point d'exclamation. Donc, je vais tester plusieurs teams, évidemment, avec elle. Je vais pas. Voilà, bon, déjà Yao Yao, c'est un personnage que je voulais jouer avec elle. Donc, Naida. Kokomi. Et Yao Yao. Donc, voilà, donc Nilou passe à 74 000, donc c'est exactement ce qu'il faut pour elle. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc, niveau stats, bon. On cherche pas à avoir des stats crit sur elle. On s'en fout, tout ce qu'elle veut c'est du PV, il y a un peu de maîtrise. Donc elle a tout ce qu'il faut. C'est parfait. Voilà. Triple couronne évidemment. Parfait. Bon, ça va être la fin de cette vidéo, elle était un peu longue. Parce que attendez, ça, non, c'était pas la fin de la vidéo. Parce que vu qu'on a monté Nilou, on a des veuves pour la dernière perma. Hop là. Donc je pense qu'on va rien avoir d'exceptionnel, mais on sait jamais. Ouais, bon, voilà. Bon, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu. Moi je suis content, j'ai eu Nilou, j'ai eu son arme, en très peu de vœux en vrai. Hein. J'ai dépensé combien de vœux? 150 sur le perso, et 20 sur la bannière d'arbre, ouais, donc 170. J'en avais 250 environ. Donc voilà, donc ça fait 80 vœux restants, puis... Ouais. Puis voilà, je suis content. On a quand même eu une belle session d'invocation. Ça aurait pu être bien pire, franchement, je vous le dis, on aurait pu avoir bien pire. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était TheNugatune, je vous dis à la prochaine, ciao.